N'ap salye nou tout ki devan ti ekran nou, nou tout ki abitue a l'hôpital Notre-Dame, l'hôpital Notre-Dame ki reme pote emisyon sa pou nou, ki se la sante a vot pote, n'ap rappele nou ke l'hôpital Notre-Dame son sosyete anonime, a y diyan nou gen plus pase 260 aksyoner, e lot jou la, dimanche la, nou te fe asamble general nou, n'ap salye aksyoner yo, nou tout ki te prezen, nou tout ki permet ke l'hôpital Notre-Dame ka existe lan 2 departement toujou, nous dans le sud, nous Berjo, à côté de ces Claude Zimuzo, et nous dans Gonaïve, dans Gatro, dans Ouyel, elle et lui, numéro 11. Et nous ne pas suspendre, saluer tous les clients qui sont sortis de tous côtés, même dans l'autre département. Hein, par exemple, dans le sud, il y a des clients qui sont dans la Grande Danse, qui sont dans tout le côté sud, là, qui viennent à l'hôpital Notre-Dame, viennent pour service. Et nous voyons, d'après le sondage, que rapport d'opinion nous satisfait de service là et n'a continuer à améliorer qualité service là pour nous et n'a salué tout le monde qui sont gros monde qui sont port de paix qui viennent pour service tout dans la Tibonite là Gonaïve. J'aime d'ab dire là c'est émission pendant la santé à votre portée nous toujours comme maladie n'a parler et journée aujourd'hui présentateur nous docteur Via pour venir sur un sujet qui concerne un pile monde, surtout maman qui inquiète un pile maman. Côté que vous regardez, petite la pas bien, petite la te senti, des fois c'est fièvre, des fois c'est petit douleur ventre. Et puis là nous menons le docteur, là il va faire analyse pour lui, il va voir que, il va expliquer nous que petit monde font infection pipi. Nous dit petit monde, pour qui ça? Parce que c'est des moments, côté que regardez même, c'est des moments où bien c'est. Si mon enfant l'âge côté que il pas qu'à faire rien pour tête lui c'est petit bébé qui t'est fait là côté que cerveau le connexion yo beaucoup fin fait là cerveau le connexion cellule nerveuse yo beaucoup fin fait neurone yo beaucoup fin connecté qui fait que petit mon enfant beaucoup qu'à faire mouvement pour col petit bébé a pas qu'à virer pour col petit bébé a pas qu'à lever al pipi pour col petit bébé a pas capable mettre diaper retirer diaper pour col parce qu'il était mouillé donc petit bébé a un moment fragile. Et souvent, le bébé a fait question d'infection urinaire, infection pipi. Ok? Donc, il est bon que nous parlions de ça, je dis. Hein? Et, ou pas, le bébé, ça arrive, le bébé commence à gratter le il commence à l'enquête 4 ans, il commence à faire affaire tout pour col. Et, en même temps, tout a pitoyé faire affaire pour col. Ça n'est pas affaire pour col, là, bain pour col, à la toilette pour col, etc. À la tata pour col, à la pipi pour col. Et, là encore, c'est des moments qui sont fragiles parce que les fait qu'après prendre faire, les fait qu'on faire, les peut-être sorti mon rebelle ou pas comme s'il a fait genre, il t'a dû faire yo mais ça passé, il va développer infection. Et là nous dit timoun, les catifi, les cati garçon. Et nous va voir comment que yo chaque des caractéristiques pa yo chaque des fragilités pa yo, si son fille ou si son garçon. Et la période qui a vécu là tout fait que les plus fragiles, les plus exposés à infection pipi ou infection urinaire. Kounya nous t'a supposé entrer là ouais ensemble nous-mêmes cap sur nous là. Première question c'est qui ça par exemple infection pipi ça rien. Comment qui côté le concerné qui ça qui constitue appareil urinaire kay fille kay garçon. A dit que nous avons pipi, nous avons fait pipi à sortir, nous avons été formé la reine, nous avons été stocké après, ainsi de suite. Donc nous allons voir ça en détail. Mais, je ne suis pas pédiatre, on prend la vie pédiatre là d'abord, comme c'est de petit monde qui a parlé. Entendez d'abord qui ça, un docteur pédiatre nous vient dans l'hôpital Notre-Dame, c'est docteur Marina Deschilippe Victor, ok? Qui c'est pédiatre nous qui travaille là lundi à mercredi et puis jeudi à samedi sont l'autre pédiatre qui travaille. Donc n'a pas quitté docteur Sabay ont idée de qui ça infection pipi ça hier puisque c'est pédiatre c'est Timoun qui concerné et lui-même est toujours rencontré Kassayo la consultation parle. Qui ça qui infection urinaire autrement dit en créole infection dans pipi hein? C'est lorsque ou gen des microbes qui arrivent infecter ça que relé appareil urinaire là. Appareil urinaire là, c'est côté pipi en lui-même li formé. Pipi en c'est un déchet organique
li formé au niveau de rein yo parce que c'est dans rein yo sans filtrer pour former urine nan, ou bien pipi an. Pipi an sorti dans rein, li descend dans deux tubes que yo relé urtère. Urtère yo lui-même yo connecté avec ça que yo relé vessie qui c'est blade pipi a. Wolpal c'est stocker pipi a et blade pipi an lui-même li connecté avec un petit canal qui permet que pipi en lui-même il sorti pas dehors qui c'est urètre là. Tout élément ça que me sorti cité pour nous là composé appareil urinaire là. Infection dans pipi en lui-même c'est présence microbio qui dans pipi en. Et microbe ça yo c'est eux même qui pral monter par l'intermédiaire urètre là pour aller infecter pipi en lui-même qui stocké dans vessie. Et même microbe ça yo capable monter quitter vessie a yo passer dans urètre là yo aller infecter rein. Donc c'est comme ça que nous capable définir infection pipi a. Nous gain deux formes d'infection dans pipi a parce que nous sont présenté nous appareil urinaire là. Ba appareil là c'est côté blade pipi a avec urètre là pardon qui connecté avec blade là. Ensuite ou gain haut appareil là lui-même qui gain deux tubes qui connecté avec blade pipi a et qui connecté en lait avec deux organes que aurait les reins. Si microbe là lui-même c'est seulement au niveau vessie que il était le concerne nous parler de infection urinaire basse, c'est lui même que aurait les dans langage scientifique cystite. Si microbe là lui-même il continue progresser, il quitter vessie à monter dans tube pour la joindre rein, de ce fait nous parler de infection urinaire haute. C'est lui-même que nous relais dans le langage scientifique pyélonéphrite. Lui-même, le plus grave et le capable bail des séquelles dans rien. Okay. Déjà là, nous gantan apprendre en pile bagay à pédiatre là, côté que li parler nous de tout hob urinaire là, côté que nous ouais que corps le la fonctionner, li ta circulation sanguine ta faite, santé la donne. La pote manger, la pote nutriments, la toute partie, la toute cellule corps, et puis la pour recevoir déchets tout, deux cellules corps, et un peu l'un déchets recevoir yo, corps supposé éliminer yo, et l'éliminer yo via pipi. Il y a l'autre façon d'éliminer, mais comme c'est de l'infection, pipi n'a pas parlé de élimination sapito, élimination voie urinaire, côté que sans ça, une fois l'entrée dans deux organes qui auraient les reins, OK qui est situé assez souvent là on dit en dans ventre mais pas d'elle en ventre qui vient presque dans dos OK donc rien ça qui différent que là on a dit dos yo dit taille ça c'est taille on a dit rien yo OK donc c'est là ça fallu genre taille mais c'est pas ça on a parlé de organes qui en dedans que les reins gain deux gain une à droite une à gauche et ben rien ça yo une fois sang passer là-dedans qui ça rien fait rien filtrer sang dit qu'on passe les filtrer li et puis retirer déchets que cellules se produire OK soit déchets de protéines comme ou urée soit le déchets tant qu'ou électrolytes qu'il pas besoin tout li va retirer tout pour permettre que au pipi OK avec de l'eau va éliminer li donc rien recevoir ça les filtrer ça qui bon sans qui bon retourner dans veine là le retourner la circulation sang et ça le retirer pas bon que le retirer le filtrage là pendant le faire filtrage et ben liquide ça qui c'est pipi hein pour le descendre dans deux tuyaux une dans chaque rein yo OK chaque rein droit rein gauche pour sortir l'un tuyau le sortir l'un bassin puis l'un tuyau OK bassin c'est bassinet tuyau assez docteur a sorti c'est ureter yo et deux tuyaux ça yo pour le coller à un autre bassin, un réservoir, un blade que les blade pipi, OK, non li c'est vessie et blade pipi en pour sortir dans l'autre tuyau encore que les urètre et tuyau ça suivant si le garçon li long et si son fille tuyau ça tout coûte. Donc tuyau ça gon bouche qui sorti dehors la dedans que les et méa urinaire ou bien bouche pipi hein, et méa urinaire là pour retrouver la pénis garçon si trou garder la pénis garçon et méa urinaire ka fille hein, mon petit trou tout qui sorti la partie génitale fille hein, la vulve fille hein, OK côté que on va joindre petit trou ça qui sorti dehors et qui permet que pipi hein, sorti OK donc pipi ça assez souvent c'est ça qu'on a pas besoin que les mettre dehors OK et
docteur a tout font tirer aller sur infection pour nous. Il dit des fois infection ça, lui même dit yo kan di, docteur préféré dit ou bon infection en bas ou bon gon infection en l'air. Lorsqu'on infection étage en bas, elle a dit infection commencé soit dans urètre là ou bien dans vessie, il était parlé de cystite, son infection vessie, OK, cystite. Quand ça tout était dit infection qui a monté dans l'étage en l'air, il attaqué, il continue à monter, il même rivé là rien yo, côté il parlait de pyélonéphrite. OK? Docteur sûrement va tourner sur aspect ça yo tout à l'heure, mais avant l'état bon pour nous parler encore une fois de qui ça fait que ti moun yo a risque comme ça pour yo faire infection urinaire. OK? Pour qui ça nous pose question ça, c'est parce que leur parle de infection ou même qui est un grand monde qui a regardé mission ça souvent ou pas c'est infection pipi liée à une activité que nous les activités sexuelles, ça dit vous infection pipi ou que t'as un monde dans point la sexe ou bien l'été prend les parce que bon glotte pas de bon etc. Mais nous tard mais comprendre est-ce puisque Timoun yo parle genre d'activité ça yo Timoun yo glo yo t'as servi antigen assez souvent traité donc dites à bon pour nous comprendre quand Timoun là qui ça cap passe qui pour qui raison qui fait que Timoun là l'a développé maladie infection urinaire, c'est-à-dire infection urinaire quand Timoun pas zéro puisque il y a des activités le paladin ça fait au jeune quand Timoun. Mais comme mon papa dit on fait même bagarre là à tout à l'heure on fait pédiatre là parler de ça. Très souvent les parents yo sorti la caille docteur yo baillon comme diagnostic infection urinaire. Moi pensais que grand bonne nan parents yo qui toujours demandé qui côté si moun nan prend infection urinaire là pour qui ça si moun moins fait infection urinaire et pas l'autre là li même ni pas fait. Infection urinaire là faut que moi dis non, c'est une maladie qui pi souvent nous rencontrer la caille timoun. Nous ka rencontrer la caille tout moun mais nous rencontrer souvent la caille timoun. N'a préciser que nous rencontrons le plus souvent la caille petite fillette parce que yo estimé entre 1 à 3% de petite fille qui fait infection urinaire. Et yo remarqué tout que c'est autour de 5 ans que nous joignent plus petite monde qui fillette qui fait parce que dans là ça il correspond à couleur côté petite monde dans lui-même il prend apprendre fait hygiène ni fait toilette ti chouchouni de même que li pral apprendre le saut dans toilette comment pour nettoyer li donc c'est autour de là ça yo côté que ti moun yo a pas prendre nouveau principe ça yo que yo même yo fait infection en plus souvent pour ti garçon yo même yo remarqué que c'est avant un an et yo gon risque qui plus augmenter surtout les yo même yo pas circoncis pendant le sujet infection ça. Il est toujours bon pour nous garder la quiescence, il est très bon l'organe voisin. Mais qu'il y a quoi plein bagarre qui voisin, il y a des orifices naturels qui voisin une autre, par exemple votre bouche, c'est voisin mais on. Mais nous dit pipi c'est appareil génital et appareil génital là grand voisin tout. Voisin relé anus. Ni bad pipi hein. Nikoto tata la anus tous deux a éliminé déchets encore l'inquiescence peut-être kaiti mounyo yon teka a contrarié l'autre est-ce que pipi a contrarié tata au point que le fait koto toilette la fait infection ou bien est-ce que koto toilette la kon contrarié pipi a au point que le ka fait infection donc comme nous l'anti moun encore. Je vais quitter Dr. Philippe pour répondre à la question. Le fait que deux orifices naturels ça, que bon Dieu a mis pour éliminer des déchets encore, des déchets qui sont dans le tripe, par anus, des déchets qui sont dans le sang, qui passent dans le rein, par pipi, est-ce que yon a mis l'autre? Et je vais même demander d'entrer dans le détail qui microbe qui cause l'infection pipi ça, parce que souvent, quand des gens font sigle à microbza y aurait les sigza KEP et va conseil électoral provisoire non mais y aurait les sigza KEP en fin de pédiatre là n'a pas que n'a gardé si ti moun yo c'est KEP lié tout pour yo microbe qui bail infection dans pipi qui germe yo côté au sorti
faut que nous dit que microbes ça yo qui bail infection dans pipien, c'est des microbes qui normalement habitent dans colon, précisément dans intestin. Microbes ça yo, yo arrivé infecter urine nan, par voie ascendante. Ascendante l'en veut dire que c'est monté que yo monté. Ça veut dire yo sorti de intestin nous et puis yo arrivé infecter blood pipi nous. Très souvent, nous connaissons les fillettes, l'orifice côté de la pipi, li prêt avec l'anus. C'est-à-dire, vous êtes capable de jouer un germe qui sort dans l'intestin directement dans l'anus la, et qui remonte à travers l'urètre, la, qui rentre dans la pipi et qui allait infecter l'urine. De ce fait, nous avons trois germes que nous sommes capables de citer. Qui très courant, c'est premier an, c'est Escherichia coli lui-même qui plus courant. Les responsables entre 75 à 90% des cas infection dans pipi. Deuxième germe nan, c'est un autre microbe qui dans intestin en tout. Tout naturellement qui relé Proteus mirabilis et troisième germe nan, c'est un germe que relé Klebsiel. N'a précisé que trois microbes ça que nous cité hein, c'est eux même que nous retrouver et puis souvent dans l'infection dans pipi, mais cependant, il y a l'autre microbe que nous pas cité là qui est capable de causer infection dans pipi. Chaque microbe n'a pas baillé une infection comme si qui différent. L'essentiel c'est que tous les trois yo c'est des microbes qui retrouvent normalement dans l'intestin nous et qui ban nous infection urinaire. Donc par rapport à quel niveau microbe là lui-même les retrouver dans appareil urinaire là, nous capable dire est-ce que c'est une infection qui tout simplement basse, c'est cystite là qui moins grave lui-même qui pas bail lésion sur rien et après nous gagnons infection urinaire là lui-même, nous capable dire que l'hiro c'est le microbe là lui-même li rive plus haut que vessie, c'est-à-dire plus haut que blad pipi hein, pour aller dans canal urinaire ou bien pour l'attaquer rein yo. Là ça n'a parlé de pyélonéphrite qui c'est infection qui plus grave et qui capable by cicatrice sourire. M'a répété pour téléspectateurs que microbes ça que moi t'ai cité déjà qui la cause infection en pipi c'est des microbes qui habitent normalement dans corps nous. Qui côté exactement c'est dans intestin nous que yo y est. Normalement yo vivent là mais ça qu'arrivé que yo vinn capable développer infection. Parmi lesquels infection dans pipi. Ça veut dire c'est pas un microbe que on a al prend dans environnement ou bien que li respirer ou bien que tout simplement qui contracté non l'autre façon, c'est tout simplement ces mêmes microbes ça yo qui en dedans trip nous qui capable aller remonter dans appareil urinaire nous et infecter pipi a. Après ça, gen l'autre microbe peut-être qui ta exactement sous poids dans quoi espacerait les périnéa ou bien sous organes génitaux nous yo, c'est des microbes qui peut-être t'es capable sous poids yo même qui capable de remonter dans appareil pipien aller ban nous infection dans pipi. Si nous t'app suivre bien n'a pas que germe yo c'est carré peut vrai car Klebsiella Jean docteur t'app dit là e Escherichia coli et P. Proteus mirabilis. Tout ça, c'est des microbes que vous jouez avec voisin, tu as parlé tout à l'heure, voisin appareil génital, qui c'est anus. Microbes, c'est des microbes qui vivent dans le tripou, qui tout dans l'anus. Comme zone meyaline, quand il fait un garçon, mais surtout quand il fait pas trop loin, c'est-à-dire, quand pipi a sorti, il pas trop loin. Et bien, microbes ça quand fait petit marché, il y a bail infection là-dedans au point que à cause de proximité ça mesure d'hygiène yo règle d'hygiène que n'a pas ces petits moun yo commencer gagner l'esprit ou bien j'en n'a prend soin petit moun yo les petit bébé yo pas ka faire ça pourquoi yo yo besoin nous parce que petit bébé a besoin et ben faut toujours tenir compte de ça anus là tout près mais il y a urinaire là donc faut tenir compte de ça pour leur faire soin petit bébé yo. Par exemple gon l'autre aspect la infection urinaire là que on va faire peut-être la parler mais faut ben nous pour grand monde tout
Par exemple, nous sommes tous les microbes qui occasionnent les, nous avons les microbes à Eclipsilia, Escherichia coli, Proteus, KEP. Mais est-ce qu'il y a des facteurs qui favorisent les microbes à développer les timoun? Parce que tout le monde va faire infection urinaire, nous avons peut-être atteint 3% pour certains âges. Donc, est-ce que il y a l'autre facteur favorisant à infection urinaire en plus de localisation proche de voisinage entre orifice méa-urinaire et orifice anal? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a l'autre facteur favorisant? Donc, si c'est ton grand monde, tu as dit diabète, c'est-à-dire si grand monde qui fait sucre, il y a plus tendance à infection urinaire. Tu as dit activité sexuelle, c'est-à-dire un homme qui est là. La fait sexe, il y a plus de tendance à faire infection urinaire qu'on l'autre, surtout si la fait non protégé. Nous avons dit encore traumatisme, si tu as un trauma ou tu es blessé dans la zone là, okay? Ou tu as fait un accident et puis cette zone ça t'est blessé, ou tu as plus de tendance à faire infection urinaire. Nous avons dit d'autres cas, un monde qui est interné à l'hôpital, que tu es obligé de mettre cathéter pour lui. Sonde urinaire, cathéter l'envers pour pipi à ka sorti dans cathéter. Et ben si cathéter ça fait un pile temps, et ben ou ka gen tendance développer infection urinaire. Balé trop, on garde est-ce gen l'autre cause encore qui ta ka plus spécifique à timoun qui te ka favoriser timoun nan fait plus infection urinaire pendant l'âge ti bébé ou bien avant 2 ans. Maladie infectieuse en pipi, il est très fréquent, la caille tout le monde en général. Mais la caille timoun yo, nous capable de joindre plus souvent par la simple raison que c'est des facteurs qui capable faire ça. Songez que moi t'ai parlé nous de ti fillette yo. Gen des facteurs anatomiques. Anatomique là, ça veut dire qui gens appareil génital ti fille en lui-même les constituer par rapport avec ti garçon yo. C'est-à-dire que ti fillette yo même yo gen anus yo qui très près de orifice urètre la côté pipi a sorti an et li très près tout de orifice vaginal yo. Deuxième raison tout qui fait que nous wè infection en pipi a nous capable joindre beaucoup plus la kay ti fillette yo que ti garçon yo tout c'est à cause de urètre la tout. Urètre la qui ont ti jan pi coûte que urètre la kay garçon an. Pas fille capable faire 5 cm, pas garçon en lui-même ni capable faire 15 cm. Ça moi ben nous dimension pour monde qui grand monde, mais m'a parlé nous pour petit monde. Mais petit monde yo même l'autre raison qui capable faire que y a fait infection très souvent, c'est le fait que yo poko apprendre comment pour yo nettoyer ou pour yo propter yo bien. Le petit fille est à propter, il supposé propter de devant pour aller derrière. C'est-à-dire de sac sorti dans orifice pipia capable aller joindre orifice anal là, c'est-à-dire côté matière fécale la sortie, mais jamais chemin inverse, c'est-à-dire pour sortir des pas derrière pour l'arriver dans orifice côté pipi en sortie. Ça c'est une raison qui qu'on expliquer que ti fillette yo même yo fait infection plus souvent. Pour ti garçon, pour ti fille toujours m'a pas ajouté, gagne tout, c'est l'heure à l'école. Pour la première fois, yo refusé aller pipi dans bol toilette l'école là. Ça vient faire que yo pas vidanger. Vidanger veut dire yo pas vider vessie. Yo kembe pipi en toute la journée, y a joué et des fois tout pipi ça rete stagné dans blad pipi ya et divine gen microbe qui multiplier la donne si capable faire que j'aime yo même yo sorti dans blad pipi ya, yo remonter aller plus haut. L'autre facteur capable faire que ti fillette là encore fait infection dans pipi souvent tout c'est le fait que yo refuser boire de l'eau assez souvent yo kembe pipi an et yo refuser boire de l'eau. Ti garçon en lui-même songe que m'te dit nous avant l'âge de 1 an yo remarqué que c'est le ça infection dans pipi an lui-même li plus fréquent la caillou. Raison an c'est un des fois yo pas si conscient parce que microbe qui en bas petit peau qui sous tête gland que yo relé prépuce là des microbes là capable sortir directement en bas poa et l'aller directement dans orifice urètre là côté microbes là lui-même ni capable passer et remonter aller
pi wo nan aparey urinèr lan. L'ot rezon tout ki kapab fè sa, la ka etikè son tout, yo kon gen de malformasyon ke yo fèt ansanman avèk li nan aparey urinèr yo. Bon maladi ke yo rele valve de liret posteryèr. Le valve sa yo menm yo prezan, yo kon empêche ke pipiyan li menm li soti de yo de fason e definitif. C'est-à-dire que ou toujou gon reflu, se ran kou pipiyan pa soti net, li toujou kapab remonte soti di blad pipiya pou rive nan tube ki pi woyo ki se uret yo e ki kapab pote mikobla li menm ale plu wo, ale nan ren yo. Si se ton gran moun, nda pral di, infeksyon urinèr lan ka gran moun nan pou al fèl, kom si li gen douleur an bati vant, lè la pipi, pipi, titak, titak, tigout, tigout. Lè la pipi kanal li boulèl, li ka pipi san, li ka eseye pipi, pipi, a baka soti, ou pwen ke l gonfle, pipi a yit gonfle an ba blad vant li, li vin ba glob vesikal. Sa se sil ta gon infeksyon ba wè, kwa di sil ta gon sistit. Men se infeksyon ta monte lan rel, e ke l ta gran moun, li ta pral gen fyev, li ta pral gen frison. E la bon sensibilite nan zon sa yo, kosto vertebral nan zon sa yo, pwen ke sou frape l, pou! Wow, li sa ton doule an dan vat li. Men sa se si se ton gran moun. Bon, an di, si son ti moun li gen plus ke 2-3 an, di 2-3 ans peut-être li ka pale, peut-être li ka montre tout ça. Considérant que ti bébé a pa ka pale di tout, considérant que si ou gen moins que 2 ans si ou n'a pa ka fin jou sa la djou la, an dan de sa pédiatre la pral di ki sa ti moun nan généralement senti le la fè maladie infection urinaire, infection la pipi. Ki jan et infection nan pipi an li menm li manifeste la kay ti moun yo. Manifestation yo pral depann de si infection an li menm li bas sitiye ou bien si ou sitiye. Bas sitiye ave di ke se au niveau de blad pipi ya. Nan ka sa yo rele cystite la. Ti moun nan ap gen douleur an bas ti vant, li kapab gen la fièvre men le plus souvent pa retrouve la fièvre et nan infection sa yo. Men ti moun nan gen dwa plenye de ce que li gen douleur le la pipi. Li oblije al fè pipi souvent kapab gen san nan pipi an gen dwa tout simplement gen yon mauvais odeur ou bien gwo odeur ki fò. Si se yon infeksyon ki ositiye, sa ve di infeksyon an pi wo ke blad pipi an pou rive nan rein, ti moun sa yo menm yo paret plus malade, yo gen fièv avèk frison. Fièv la le plus souvent li ka menm rive 40 degré. Et douleur ke li gen pa pan bati vant, li menm son douleur ka pi ositiye, son douleur ka tèt doa. Nan rel doa kote yo rele flan. Ou kapab genyen ti moun ki vomi, konsa tou ou kapab gen ti moun ki gen de noze, okasyonelman li kapab gen de diare, konsa tou ou gen doa gen de ti moun ki, sutou la kay gran ti moun adolesan, gen doa pa gen anken sintom du tout. Pou ti moun ki pipiti yo, sintom infeksyon nan pipi an, li gen doa pa spesifik. De fwa, ti moun nan gen doa tout simplement trez irritable, ou bien li refize pran tete, ou bien tout simplement tout li pa pran pwa, ou bien li ke dwa juste prezante yon jonis. Très souvent tout, ti moun ki gen mwens ke 2 ans yo, yo kon gen de fyev, yo gen dwa gen yon simple fyev ke ou pa ka arrive identifiye koz fyev la. E se a l'okasyon ke wal fè yon examen nan pipi, e ou pral vin dekouvri ke ti moun sa yo yo menm se infeksyon nan pipi an li menm ki te ba yo fièv la. Sa arrive le plus souvent la kay ti moun ki gen mwens ke 2 ans. E ti moun nan kategori la sa yo, yo remake ke infeksyon nan pipi an se ou pa get antrete l rapid, sitou si l te ba, li gen dwa pa monte rapidman li vin bon infeksyon nan pipi ki pi ou plase, e li kapab ba ou plus, e li gen dwa ge plus chans nan kategori la sa pou ti moun nan li menm li devlope de sekel sou reyan ki kapab entrave pi devan fonksyon rè. La kay ti bebe yo, infeksyon nan pipi an li menm pa vreman gen de sintom ki spesifik. Ou kapab wè ke ou kon ti moun tout simplement ki refize pran tete, ou bien ki pa ka pran pwa du tout, ou tout simplement ki paret avèk an jounis. Très souvent kon gen an simple fièvre. De fwa
ou pas capable d'arriver identifier qui cause fièvre et très souvent pour aller découvrir que c'est une infection dans pipi qui capable causer et fièvre ça et le plus souvent ça arrive la caille timon qui gagne moins que de l'année. OK. Infection urinaire ça que n'a parlé jodi ensemble avec nos téléspectateurs. Nous rete deux trois petits points en plus pour nous voir avec eux. C'est comment nous faire diagnostic là et traitement. Mais avant ça, la pause. Nous tournons après pause, nous après appeler pour tout le monde qui fait brancher que nous suivons l'émission noire, la santé à votre portée et l'émission physique, là, côté que nous avons parlé de on maladie et je dis à maladie, c'est infection urinaire, infection clamp blood pipi. So, comme nous faisons le cas de tout le monde, temps en temps, nous quittons le pédiatre l'hôpital Notre-Dame, nous parlons de lui. Mais nous avons que OK, donc nous tournons après président, nous te dit nous allons parler de diagnostic là. Yo wè que une fois on suspecte que un petit monde, un grand monde fait infection urinaire, généralement il est bon pour faire prélèvement pipi. C'est-à-dire yo bo ou al font presque un examen pipi, un examen simple des urines et li bon tout surtout si son petit bébé, surtout si son petit moun pour tout prescrit en culture des urines. Donc m'encourage médecin yo gen culture ça pour prescrire culture des urines. Parce que pratique nous dans le sud là par exemple permet nous voir que grand pile moun ka grand moun yo le n'a traité qui vient à maladie infection urinaire comme c'est cap dire un canal boulé et puis là nous fait histoire là nous poser une petite question si on tape suivre l'autre côté nous voit que on était tape suivre on était bailler antibiotique et ou bien on était prendre antibiotique là pourquoi et voilà que ou même voit bailler même antibiotique là qui déjà pas marché qui pas marché qui pas marché qui pas jamais marché pour qui ça parce que microbe là résistant à antibiotique là et même là on te dit gain KEP c'est pour te ca songer mais charger l'autre microbe, streptocoque canceli, staphylocoque can by infection urinaire, prenez l'autre microbe encore. Des fois, il y a un virus tout. Donc, les bons, long docteur qui a une culture prescrit, culture des urines, eh bien, il parle qu'on est, premièrement, qui microbe qui est en cause, mais deuxièmement, il tout fait en bagarre de l'antibiogramme, il dit qu'on est qui antibiotique. Que microbe capture microbe là. Nous connaissons qui antibiotique que résistant, nous connaissons qui antibiotique que qui tue microbe là. Donc c'est pour ça on a toujours encouragé les gens ou faire prélèvement, hein? Yo font examen simple des urines. Si mon a commencé prendre médicament ou bien grand monde a commencé prendre médicament, maintenant le résultat examen en vini
culture plus antibiogramme tourner, les gens mettent les microbes, mettent les antibiotiques. Si l'antibiotique vous êtes déjà bail là, j'aime être sensible avec ou je dis maintenant tout bagage fini ou traité. Mais si vous antibiotique vous êtes bail là, t'es résistant. Et bien là, ça, ou juste changer antibiotique ou vin bail ça sensible. Et c'est pas sans raison que le conseil d'administration de l'hôpital Notre-Dame, la direction de l'hôpital Notre-Dame, tout le monde de l'hôpital Notre-Dame te fait pression pour que l'examen culture, que l'urine, que l'importe l'autre liquide, encore, nous qu'a fait là dans l'hôpital, là dans l'Ambergeau, là dans le gâteau, c'est-à-dire c'est pas aller ou aller, la fête sous place, et puis on a des résultats dans l'heure fixée pour vous. Pour rien là, chers téléspectateurs, nous arrivons dans la phase côté que nous finis analyser pipi et nous avons les résultats par le docteur. Le docteur lui-même va regarder des paramètres dans pipi, à savoir, il va chercher les signes d'infection, à savoir leucocytio, qui quantité est par champ, à la recherche de sang dans pipi, nous allons rechercher les quantités de bactéries. Aspect pipien tout capable de mettre médecin en soupiste, de même tout que ça aurait l'acidité pipien tout que nous capable garder à travers examen pipien. Il y a l'autre petit paramètre tout que on pas fin baïe trop détail, mais normalement et pour connait que gain infection dans pipi c'est par rapport à une quantité de leucocytes ou bien de bactéries qui présent dans spécimen là. Nous-mêmes et dans le domaine médical, pour connaître que une infection pipi, ou bien au moins 100 000 colonies de bactéries pour un seul germe qui cause infection. Dans le cas, d'emblée, on connaît que une infection héritée. Mais si tout ou t'as gagné, par exemple, un monde qui est symptomatique ou un petit monde qui a des symptômes et qui a plus que 10 000 colonies qui présentent des manifestations, de ce fait, vous êtes capable de connaître que vous avez une infection dans pipi. Mais ça ne veut pas dire que vous avez un monde qui a une infection dans pipi, qui ne doit pas vraiment montrer et dans l'examen ou dans le résultat, vous ne doit pas joindre les paramètres. Mais ça ne va pas empêcher que vous traitez pour infection dans pipi. D'autant plus que vous avez fait nous connaître auparavant que ça peut arriver que vous avez des mondes, mais des petits mondes qui ne doit pas un résultat pipi qui est positif, mais qui présente des symptômes, à savoir canal, il doit brûler, il doit avoir une douleur, il doit pipi souvent. Donc, l'autre forme pour profiter attirer l'attention sur lui, que les bactéries asymptomatiques. Bactéries asymptomatiques, c'est qui s'allie. Donc, c'est-à-dire que vous jouez des bactéries réellement dans pipi, mais pas aucune manifestation clinique, mais quand même une infection. De ce fait, vous obligez de traiter. Normalement, bactéries asymptomatiques n'est pas très courant, donc c'est l'ordre de moins de 1%, mais au plus joignable la qualité. Ok. Le second mot de vingt jeunes non est que nous pensons aux infections urinaires. Ils viennent côté nous discuter, nous ouais, nous dire c'est infection urinaire. Mais généralement, par rapport à ça, le présenter comme si un symptôme, nous avons tout décidé de commencer un traitement pour lui. Mais le second monde, nous toujours veiller, si l'infection est basse, nous avons fait un traitement en ambulatoire, c'est-à-dire que les parias sont plus loin que le cystite, ils vont y être tout cystite. Mais par contre, si une suspecte d'infection en haut, ils ont la fièvre, frisson et, j'aime dire, la sensibilité, la costaud vertébrale, l'endroit, eh bien, le grand monde, ça, on a hospitalisé, on a Kimbel. Et dans tous les cas, s'il voit la cali, s'il est bas, nous voit la cali, il a balancé l'antibiotique dans la bouche, s'il est haut, il a balancé l'antibiotique dans la veine. Mais nous, qui j'en fais traitement, nous faisons un traitement probabiliste, côté que nous disons probablement les sensibles à tel antibiotique, nous commençons le traitement. Et nous faut faire, nous faut remettre le laboratoire spécimen urine. Avant même de commencer à boire antibiotique, il faut commencer à remettre spécimen urine. Sous spécimen urine, il faut faire un examen simple des urines qui va dire si vous avez un globule blanc, est-ce qu'il y a un sang qui passe là-dedans, est-ce qu'il y a une bactérie, est-ce qu'il y a etc. Globule blanc ou leucocyte, qui j'en paye pH là, est-ce qu'il était plus acide ou pas. Eh bien, ça c'est un examen simple des urines qui va le résultat, ça va venir après.
que le traitement intégral a commencé. Et culture, ça, côté côté fin de culture prescrite, eh bien, résultat culture, ça, il va venir, il va dire qui microbe, qui antibiotique. Maintenant, où tu fais le probabiliste dans un premier temps, eh bien, on va avoir une possibilité pour faire pour sûr que l'antibiotique soit en bail, il va marcher parce que le microbe ça, il est sensible à elle. Là, on est sûr qu'il est sensible à le microbe ça, donc le traitement ou bien faire, c'est fini. Ok? Pendant un jour. Comment ça passe pour Timounio? Nous faisons diagnostiquer l'infection à pipi, hein? Donc qui genre et qui genre que nous allons traiter? Nous allons traiter avec des antibiotiques. Pas oublier que nous disons que c'est des microbes, c'est bactéries, c'est même bactéries qui retrouvent dans l'intestin, c'est eux-mêmes qui remontent, qui allaient infecter pipi. Donc nous allons avoir des médicaments qui dirigé contre les microbes. Donc tout dépend si c'est une infection qui basse située, ça qui aurait les cystites là, infection urinaire basse ou bien infection urinaire basse, ou qu'on prend 3 à 5 jours pour traiter type de infection ça. Mais si infection lui-même les plis au situé, tant que infection urinaire haute ou ça nous aurait les pieds dans les fruits là, nous doit pas nous capable traiter entre 10 à 14 jours. L'autre petit âge que nous avons fait pour nous tous, dans l'affaire diagnostic, nous faisons examen PPA qui montre une infection, mais examen culture qui donne plus précision sur qui microbe exactement qui causait l'infection. Donc, culture, là, c'est le même côté que vous mettez spécimen PPA, c'est quand vous mettez le couvert et vous pouvez identifier après un certain nombre de jours qui microbe qui poussait. Et qui médicament spécifiquement qui agit sous microbe ça. Ça très important dans qualité traitement tout parce que on doit commencer un traitement avec un antibiotique et pour traiter infection et puis microbe là pas répondre à choix antibiotique côté fait. Donc avec résultat culture là ou capable plus spécifique, c'est-à-dire ou connaît exactement qui microbe et ou connaît exactement qui médicament qui agit sous microbe là. Donc, qui complication nous capable de gagner avec infection urinaire là c'est pas traité. Songez bien, moi dis nous infection à pipi nous pas qu'à prendre pas sang, c'est pas moyen sang que nous prend infection. C'est de préférence microbe blanc qui sorti dans partie et côté nous gain matière fécale qui monter aller dans appareil pipi là. De ce fait, si vous commencez avec une infection urinaire basse, on cystite li capable compliqué si pas gain traitement gène nan doit monter plus haut li quitter black pipi an la li rive nan niveau rein ou devine bon yon infection qui plus grave qui capable ba ou des séquelles sous rein an et ces complications en premier c'est pied le nez c'est-à-dire que sorti de bas situé pour rive nan infection qui plus haut et qui plus grave parce que infection urinaire basse là pas vraiment bon séquelles sous rein an mais infection urinaire haute là ou pied le nez fruit là les mêmes qui pique grave là, puis bon inflammation avec des séquelles sous rein qui pral et manifester pour une diminution peut-être à la longue si le traitement lui-même n'est pas fait et sous fonction rien dans lui-même. L'autre bagaille qu'on capable gagner tout ou capable gagner comme complication tout, une septicémie. Septicémie c'est qui ça? C'est microbe blanc qui arrivait quitter et appareil urinaire là et lui-même il gagne dans sang. C'est quand pour son empoisonnement ça veut dire que infection lui-même li gaille donc ça arrive le plus souvent très facile à arriver chez ti moun ki pipiti yo parce que nous connait ti défense yo très bas donc ça arrive que si nous pas fait traitement à temps donc traitement vient plus haut et puis li gaille dans tout corps. L'autre petit conseil que m'étais capable bail pour alors en matière de en regard de facteurs qui capable mettre moun à risque. Donc facteur qui t'a mettre mon risque pour faire infection à pipi yo, moi te dis par exemple la petite garçon yo, le fait que yo pas circoncis, il mettait au plus à risque pour faire infection à pipi. Ti fille qui yo tout qui pas apprendre propreté corps bien, si yo pas boire bien, si yo pas vidanger bien. C'est-à-dire que leur fin et leur pral pipi si yo pas vider blague pipi yo bien, donc tout ça capable faire que et pipi en lui-même il était stocké trop longtemps
dans blood pipian et microbe yo même yo vinn multiplier donc ça capable favoriser et infection. L'autre problème tout c'est par exemple ou gen droit à l'occasion que si mon nan soit interne ou bien ou te passe un cathéter, cathéter là gen droit remonter avec des microbes, cathéter là s'il pas stérile, ça capable causer et infection dans pipi tout ou du moins tout ou gen constipation tout à force ou constipé ou après dit pour toilette partie et génital yo capable de joindre contact ensemble avec sel yo qui de plus souvent prend des sels liquides donc microbe ça yo capable joindre plus moyen pour sortir dans partie fécale là pour monter dans côté pipi donc qui précaution que nous capable dire pour nous prendre pour nous éviter faire infection dans pipi puis souvent surtout la caille timon yo c'est un n'a recommandé que yo toujours boire. Il toujours recommandé au moins 1 litre d'eau ou plus par jour. Pas que des pipi dans blab pipi non. Aussitôt que besoin en fait sentir aller sous bol toilette là. Apprendre si mon tout pour yo bien pipi. L'autre bagage c'est propreté, pas mettre trop pérat qui trop serré sous timon yo, changer couche yo. Attends parce que très souvent nous quand quitter des couches qui très sales, timon dans toilette dans couche là rester là le fait n'importe 4, 5, 6, 7, 8 de temps avec même couche là ou bien font que l'autre timon yo des fois il y a l'école yo jouer sur l'arrêté dans font que l'autre là yo saute l'école yo pas bien yo pas nettoyer yo donc tout ça yo c'est des risques que ou gagnent qui augmenter pour faire ou même ou attraper infection dans pipi après ça gagne un facteur qui prédisposer monde faire alors petit garçon au plus fait infection dans pipi c'est malformation dans voie urinaire parce que il y a des petits monde qui connent fait avec des problèmes dans appareil urinaire des malformations même qui fait que pas ca vider pipi yo normalement yo toujours bon refri qu'a fait les ovine pipi toujours bon certaine quantité qui rete dans blague pipi ou bien il y a des maladies tout qui capable causer que et muscle c'est-à-dire que muscle qui dans vessie hein c'est-à-dire blad pipi hein qui permettent que le wa pipi ou vider toute blad là donc sous malade dans muscle là bon problème qui rend muscle là pas reçu ou bien les malades ça qui fait que les mon dans lui-même li a pipi toujours bon reste qui était et reste ça prêter dans blad pipi hein capable favoriser plus loin et apparition d'infection urinaire. Donc c'était tout petit conseil ça yo que moi t'ai porté pour nous sur maladie ça qui très fréquent que nous joigne la caille timon yo plus et aussi la caille grand monde. Moi espérer que nous t'ai apprendre en pile. Donc n'a porté rendez-vous pour une autre fois pour une autre émission sur santé non. Bye bye. Merci docteur Philippe, moi merci pour nous parce que li ban en pile information sur timon yo, li même sont parle de complications. Infection urinaire dans kay timoun, OK? Donc li gèt avec nous complications parce que infection urinaire là en soi son maladie banale, c'est pas une maladie qui grave et son maladie côté que nous ka traiter, nous ka diagnostiquer le cœur, nous ka traiter. Difficulté nous té ouais ça, le fait que c'est un petit bébé a pas capable parler pour dire que l'air pipi le bouler ou bien ni senti gêne tout problème yo. Donc un petit bébé chaque fois il pas senti bien, chaque fois il gagne altération état général li, chaque fois il gagne n'importe signe, il gagne diarrhée ou bien quel que soit signe et symptôme, eh ben nous même qui docteur ka pour petit bébé ça ou après que nous toujours mandons un examen des urines pour nous sûr que c'est pas une infection urinaire qui fait que bébé ça gagne tout problème que lui présenter la caille pendant le travail là. Il va vététer tout ça, c'est pour des raisons qui n'ont pas aucun rapport, mais qu'on tout garde, est-ce que c'est une infection qui fait de même. Pour tout le monde qui a exprimé, comme c'est si mon 3 ans, si mon 4 ans, jusqu'à adulte, puisque le cardio ça a gagné, donc infection urinaire est banale. Et nous arrivons à comprendre que pour qui ça arrive plus qu'à une fille, c'est parce que meilleure urinaire fille, c'est-à-dire côté pipi fille à sortir, les plus proches de anus là, que côté. Puis les garçons ont sorti. Hein? Okay? Et notez ouais, que les microbes généralement en cause, c'est des microbes qui sont sortis dans le tube digestif, là, qui sont sortis dans le triple. Okay? Puisque deux déchets ont évacué la même zone, les voisins, soit dans l'anus ou pour tata, soit dans le pipe, mais dans l'anti-orifice pipi,
pour l'urine, eh bien, yon kan gen effet sur l'autre. Et c'est pour ça, prévention, on a rappelé, c'est pour qui ça. Sous ces garçons, les très bon, sous toujours faire, ça sous faire circoncision bonheur. Circoncision, c'est une opération que nous offre l'hôpital Notre-Dame. Et plus petit bébé en fait le bonheur, mieux que c'est. Ok, parce que les protégeaux quand on infection urinaire plus souvent, ça soit peut faire infection, soit on grand type de capé de faire infection, ou bien on grand type on capé de faire infection urinaire, plutôt si conseil la faire moins infection urinaire, si son petit garçon. Maintenant pour petit fille, c'est bien sûr c'est toilette la plus souvent, c'est apprendre comment poursuivre dans la toilette, c'est toujours puisque pipi en fait moins de gaz ou tata côté tata sorti, donc on sorti de côté pipi ou suyo pour aller derrière, ok? Donc c'est qu'on sort sur devant, à l'derrière, ok? Ou pas faire l'inverse. Maintenant, sous son fille ou adulte, c'est-à-dire ou sexuellement active, et que l'infection urinaire est liée en pile l'activité sexuelle, eh bien, ou besoin, lorsqu'on fait sexe par exemple, pipi tout de suite, pour qu'il sache parce que l'activité est menée, côté partenaire l'intérieur, pas trop loin de côté où tu as fait activité sexuelle là, donc tu as pris un microbe qui tout près à l'anus là, il fait arriver la meilleure urinaire parce que tu es sur l'activité sexuelle. Et encore une fois, pour éviter IST tout, c'est bien sûr un seul partenaire, abstinence ou bien préservatif. Et bien ça. Donc, nous faisons le tour sur l'infection urinaire. Nous sommes contents avec nous tous qui t'as suivi l'émission ça. C'est un plaisir pour nous être avec vous. Nous remercions encore une fois Dr. Philippe qui t'a parlé, qui t'a fait le point chaque fois question te concernant Timoun, ok? Qui t'a parlé nous de l'infection urinaire plus précisément car Timoun, nous t'es content de approcher eux, nous apprenons un pile avec lui. Nous-mêmes, nous qu'a dit nous seulement à la semaine prochaine pour une autre mission, même genre, ok? Côté que nous allons parler de l'autre maladie que nous ne pouvons pas quoi annoncer.